z Bonjour, je suis Alexandre Geffen, je suis directeur de recherche au CNRS et critique littéraire. Je travaille sur la littérature contemporaine et sur l'histoire des idées. Et je souhaiterais aujourd'hui vous dire euh, quelques mots d'un phénomène qui me semble caractéristique euh, de la littérature française la plus contemporaine, à savoir l'émergence de nouveaux réalismes, de nouvelles euh, manières de présenter le réel à travers la non-fiction, mais aussi à travers euh, des objets, à travers des, des enquêtes, à travers euh, des formes de documentation euh, qui vont procéder à de nouvelles enquêtes, à de nouvelles formes de dévoilement. Pour euh, commencer, je voudrais vous lire un texte, quelques pages, quelques lignes d'un texte paru très, très récemment, il y a quelques semaines l'inconnu de La Poste de Florence Somnas. Voilà, euh, voilà comment commence le premier chapitre. Au centre du Haut-Buget, une courte bande de terre se faufile entre les montagnes et permet de relier la France à la Suisse sans grimper sur les sommets, pour qu'il s'y arrête un premier saisissement. C'est un lac au milieu des apics. Il est plutôt petit, mais d'un bleu pas comme ailleurs, on le dirait intact, donnant à chacun l'impression d'être le premier à le découvrir. Ce sentiment est d'autant plus vif que nul ici ne semble en faire grand cas. Le chemin de fer et la voie rapide ceinture ses berges, avec ici la station-service, là un parking déprimant. Mais l'endroit est trompeur, une fausse innocence. Vous n'êtes pas là où vous croyez. Le lac de Nantua n'a rien d'une beauté cachée, disons peut-être d'une beauté délaissée. Longtemps, il fut l'étape en vogue sur la route de Venise ou d'Italie. Dans ses carnets de voyage, à l'été 1832, Alexandre Dumas se répand en des pages flatteuses sur le lac bleu saphir comme un joyeux précieux. Et plus tard, Edith Piaf, ou Aragon ou Lagacan ont eu leurs habitudes à l'Hôtel de France et aux Belle Rives qui faisaient aussi cabaret. Fernand Reynaud achetait ses borsalinos chez le chapelier de la rue du Collège, là où une mercière tente désespérément aujourd'hui de revendre son commerce. Voilà ce, ce petit texte, un texte de non-fiction par une écrivaine journaliste, grand reporter à Libération et au Monde, qui enquête, qui essaye de, de, de comprendre à travers le personnage d'un de ses principaux. Euh, acteurs, euh, une énigme, une énigme judiciaire, hein, le meurtre euh, de euh, l'hôtel de la Poste euh, à Nantua il y a quelques années. Euh, c'est une effraction, c'est une effraction dans le réel, puisque euh, la journaliste, l'enquêtrice, va sur le terrain, elle va. Discuter avec les habitants, elle va rencontrer les protagonistes. Elle entame un, un dialogue très serré avec euh, Thomasin, qui est le, 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 le principal accusé. C'est aussi une effraction du réel, dans sa banalité, dans sa crasse, dans son caractère euh, abandonné, dans ce dans ce monde euh, que personne ne va regarder. C'est le témoignage euh, qui prélude à euh, une enquête qui mêlera documents judiciaires, euh, retrans. Description de discussion et aussi dévoilement de ce qui. A été euh, des souffrances, des misères, euh, de, toute une, euh, de tout un, un, un ensemble de, de sans-abri, hein, laissé euh, en prise à une justice euh, qui a cherché à leur extorquer des avos. Ce euh, texte magnifique, magnifique, qui, qui, qui mérite vraiment euh, les plus grands éloges, et Malcarer dit quelque part que. Le journalisme est un genre littéraire, me semble caractéristique d'une nouvelle littérature d'information, de témoignages, de documentation, voire de données parfois, qui est née de la pression de l'information sur nos vies euh, et qui maintenant prend des formes extraordinairement variées, hein, du, du théâtre de non-fiction à la data-littérature. Euh, il s'agit de promouvoir une littérature qui essaye euh, d'éviter euh, d'échapper par euh, l'imaginaire au réel et préfère le, le dévoiler hein, par des formes de, de réalisme qui refusent tout habillage linguistique particulier, toute prise de distance référentielle par rapport au monde. C'est une catégorie de la non-fiction qui a vraiment fait effraction. Dans le paysage littéraire français, il y a quelques années, avec, euh, je vous le disais tout à l'heure, notamment Emmanuel Carrère, euh, mais aussi des entreprises d'enquête de, sur le terrain, chez, chez Rollin euh, et, et de nombreux euh, autres euh, écrivains qui ont euh, voulu euh, documenter de leurs yeux, de leurs pas, en, en, en s'impliquant hein, dans ce qu'ils racontaient et euh, en refusant euh, tout effet de style, tout euh, effet euh, rhétorique. Au d'une saisie humble, d'une saisie modeste d'une un, réalité qui était souvent perçue dans ce qu'elle pouvait avoir de plus difficile dans un monde en crise, un monde en crise que les écrivains ont souhaité raconter, ont souhaité chercher à expliquer de, de, de François Bon. Euh, aux euh, écrivains euh, de euh, la, la souffrance euh, sociale et, et, et nombreux euh, sont-ils aujourd'hui. Je crois que euh, dans ce festival Effraction, certains euh, d'entre eux euh, seront entendus. Je crois que notamment euh, Sylvie divry, euh, Sophie d'Ivry pardon, euh, sera présente. Quoi qu'il en soit, cette catégorie qui fait fraction dans le paysage littéraire français est euh, euh, d'origine anglo-saxonne largement. Hein. Elle trouve ses sources dans la, la non-fiction euh, à l'anglo-saxonne, qui est une catégorie très très large hein, euh, quand on passe l'Atlantique, euh, qui remonte à la non-fiction novel hein, de Truman Capote, de, de Norman Meller et dont le principe consiste à éviter la subjectivité autoriale euh, et les effets de langue pour s'interdire toute Interpolation, tout développement imaginaire, toute suspension de l'incrédulité. Vous savez ce, ce principe qui fonde le roman, qui fonde la fiction, selon Coleridge. Dans ce nouveau journalisme américain, qui produit des grands reportages, qui s'intéresse en particulier aux faits divers, mais pas exclusivement, on va chercher, on va chercher à refuser les procédés caractérisant euh, euh, l'écart euh, produit par la littérature euh, pour euh, essayer euh, de euh, dire quelque chose d'un réel qui semble plus riche s'il n'est pas transposé, s'il n'est pas réinventée. La non-fiction française procède de ce, de ce principe. Elle remonte à un long... À un, à un intérêt ancien, à la longue durée d'un intérêt pour le fait divers, pour des formes d'exploration psychologique qui vont refuser les formes canoniques du roman qui fait des hypothèses sur les, le personnage. Ici, on va essayer de, de délivrer tout ce qu'on sait à travers les paroles, l'écriture même des voix des personnages pour essayer de ne pas les trahir. Euh, les, les, euh, le, la non-fiction française euh, s'inscrit hein, dans une très très longue euh, tradition hein, qui, est, euh, qui est celle euh, du réalisme. Néanmoins, elle a été euh, euh, quelque peu éclipsée par une autre fascination française qui est la contrepartie de notre curiosité réaliste, qui est notre curiosité formaliste. Clairement, l'histoire littéraire française depuis deux siècles... Euh, marque euh, l'alternance entre euh, des vagues euh, de prise de distance esthétique par rapport au réel et les grands modernismes euh, de, de Proust au nouveau roman euh, et euh, des euh, formes d'écriture plus, plus humanistes euh, qui vont se chercher, chercher à se rapprocher euh, de, euh, euh, de réalités euh, souvent peu euh, spectaculaires. Euh, euh, littérairement sans, sans beaucoup de romanesques, hein, qui vont chercher une écriture euh, de, euh, de vie minuscule, de marginalité, euh, de territoire abandonné, euh, pour en faire le cœur de l'entreprise littéraire, hein, dont le sens sera vraiment euh, ce travail euh, de dévoilement. Hein, euh, les écrivains refusant finalement de laisser, euh, les oublier, les abandonner, les laisser pour compte euh, les territoires euh, perdus euh, sans voix pour euh, les traduire et euh, les transposer. Alors c'est un mouvement euh, qui a connu euh, ces dernières années toute une série de, de consécrations. Si on voulait euh, en donner euh, un exemple, ce serait euh, la, euh, le, le, le prix Médicis qui est allé à Yvan Jablonka pour Laetitia ou euh, La fin des hommes, euh, ou encore euh, L'adversaire de Carrère, énorme euh, succès euh, littéraire du début euh, des euh, années 2000. Euh, les écritures de voyage, les écritures d'enquête judiciaire, les écritures ethnologiques, euh, les autobiographies réalistes à la Annie Ernaux, hein, qui, qui, qui portent à la fois euh, euh, une documentation sur soi, une documentation sur une génération, ce qu'on a appelé aussi les factographies, Hein, euh, euh, à savoir ces récits d'enquête euh, par la graphie euh, des faits, ces écritures de documentation qui vont finalement ne faire que citer des documents, les coller, hein, les coller, euh, ces écritures d'enregistrement, ces écritures de données qui émergent euh, aujourd'hui caractérisent euh, toutes ces euh, formes euh, de non-fiction. Euh, euh, le, le, le reportage euh, d'un Sylvain Tesson, d'un Emmanuel Carrère, d'une Florence omnas d'un Jean Hatzfeld, euh, sont tout à fait euh, euh, caractéristiques euh, des, des euh, échanges entre euh, ces, ces formes littéraires de non-fiction et le journalisme. Ils sont parfois publiés en revue, parfois publiés dans des MOOC. Ils participent vraiment d'un intérêt très, très vaste hein, qui touche des formes euh, d'écriture euh, proches du roman policier par exemple chez, chez Didier Denink euh, 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 qui s'attache euh, à des affaires euh, comme euh, ce que raconte François Bon dans un fait divers ou ce que raconte euh, Didier Descoings dans est-ce est-ce comme ça que les femmes euh, euh, meurent euh, le, 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 le le cas, hein, le, le, le cas criminel, le, le, le fait divers étant un affleurement, étant une effraction justement euh, de euh, réalité euh, inavouée, euh, tue euh, dans euh, la réalité sociale et la réalité euh, médiatique. Euh, on peut euh, également euh, souligner que de nombreux euh, transferts se font avec les sciences sociales. Dans euh, ses enquêtes euh, factographiques, lorsque Philippe Vassé va s'intéresser aux zones blanches de la carte, c'est en géographe qu'il agit. Lorsque Éric Chauvier euh, va s'intéresser euh, à une migrante euh, à travers un, 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 un texte qui est à la frontière entre euh, l'ethnographie. Et l'écriture qui s'appelle anthropologie, euh, c'est bien euh, euh, un autre euh, champ, euh, une autre forme de documenter euh, le réel, celle des ethnologues qui est utilisée. Lorsque Philippe Artière, euh, historien du présent, ou Yvan Jablanca, euh, historien euh, documentant son propre présent, euh, euh, produisent des textes publiés dans des collections. Euh, traditionnellement caractérisé par euh, des textes littéraires, hein, euh, euh, notamment Fiction et compagnie, pour, pour Artière, euh, c'est bien euh, de, euh, une alliance tout à fait euh, intéressante entre euh, écriture et histoire qui se, qui se produit. Je, je, je pourrais également mentionner toutes les formes de sociologie littéraire euh, produites euh, désormais. Euh, clairement, euh, la non-fiction instaure un régime de confiance dans les autres écritures du savoir, qui est euh, tout à fait différent de la manière dont euh, la fiction euh, cherchait, elle, plutôt à se, à se différencier de, euh, des écritures euh, historiographiques, euh, des écritures documentaires. Euh, clairement, euh, cette attention est aussi sociale et politique dans le champ français, loin d'être une simple euh, documentation neutre. On l'a vu à travers tous les objets. Euh, que euh, les écrivains cherchaient à documenter, c'est souvent hein, un inconscient euh, de, de la France qui oublie euh, ses, euh, ses marges, euh, qui euh, euh, oublie ses provinces. Euh, je pense ici à, à, au travail de Marie-Hélène Lafont, euh, euh, qui euh, oublie euh, ses paysages désindustrialisés. Hein, euh, je pense à, à Dehou, euh, de, de euh, François Bon. Euh, C'est euh, clairement un, un appel à une prise de conscience politique qui est faite à travers ces explorations, hein, qui, qui ont la neutralité d'une écriture documentaire, mais restent euh, des gestes euh, politiques. Hein. Euh, euh, la la, euh, la non-fiction opère contre. Euh, les storytelling contre les discours politiques. Elle euh, dévoile radicalement, elle dévoile euh, non sans euh, violence euh, euh, ce qui s'est vraiment euh, passé dans une affaire criminelle euh, euh, autrement qu'avec le filtre euh, du romanesque euh, de euh, l'enquête euh, pour découvrir un, un criminel. Euh, euh, Florence Omna désamorce tous les effets de suspense, tous les effets de, de surprise. Hein, clairement, ce n'est pas euh, l'objectif. L'objectif est de trouver une sorte de naïveté, de transparence euh, par rapport à une restitution du monde. Cette non-fiction, cette non-fiction, elle participe. Peut-être d'une attention plus large aussi à ce qui doit être raconté, à ce qui fait partie euh, du réel. On a à la fois de, des formes nouvelles, c'est l'écriture documentaire, et en même temps, euh, de euh, nouveaux objets qui, qui, qui euh, rentrent dans, dans la réalité digne d'être racontée par la littérature. Je crois que euh, la manière dont euh, les, les conditions de vie ordinaires sont relatées, dont les corps sont mis en scène, dans leur fragilité dans leur vulnérabilité par type d'un mouvement de fond un mouvement de fond qui est l'extension de la représentation littéraire à toutes les formes de réalité à tout ce qui est humain à tout ce qui est humain est digne d'être raconté, tout ce qui est humain euh, mérite récit. Ce, ce mouvement, c'est un mouvement sur la très longue durée. Hein, dans un ouvrage qui est l'un des plus importants jamais écrits sur l'histoire de la littérature, Eric Auerbach, dans Mimesis, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, euh, montre comment depuis l'Antiquité, euh, la littérature perd petit à petit un regard surplombant. Euh, sur euh, les, les vérités humaines euh, pour euh, les décrire de manière de plus en plus matérialiste, euh, euh, pour essayer euh, d'en restituer sans leur donner un sens a priori leur configuration, euh, leur, euh, leur, euh, leur forme. Euh, et, et clairement, euh, l'ouvrage d'Éric Ayerbach s'arrête au début du XXe siècle avec les grands récits de Joyce et euh, de euh, Proust qui raconte la vie en, la vie intérieure l'expérience du temps dans ce qu'elle peut avoir euh, de plus euh, immédiate hein, aux, aux, aux frontières de la de la phénoménologie mais je crois que cette, euh, cette euh, ambition d'embrasser de, 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 euh, euh, la réalité les réalités euh, euh, se poursuit hein, euh, avec euh, d'autres mouvements littéraires euh, comme le surréalisme qui fait rentrer la vie quotidienne euh, et qui donne sens à la vie quotidienne euh, dans, dans un récit, qui donne sens aux errances, aux promenades, aux accidents euh, de l'existence, aux hasards de l'existence. Je crois que euh, la manière euh, dont, euh, euh, après cette entrée du quotidien, euh, les littératures de témoignage au XXe siècle, depuis... Euh, celle étudiée par euh, Norton Crue euh, durant la guerre de 14, puis ensuite euh, les témoignages euh, bouleversants euh, de, euh, euh, des processus euh, euh, de, 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 de destruction euh, humain mis en place au moment de la barbarie nazie. Ces, ces témoignages marquent aussi une volonté de, de faire entendre, de faire entendre ce qui est innommable, ce qui est insupportable, ce qui est inaudible, et ces, ces ouvertures euh, euh, à, à, à une tragédie qui est dévoilée euh, avec la nudité euh, de, du témoignage et non pas avec la mise en scène euh, de, 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 la, euh, de la tragédie grecque, euh, participe hein, de cet euh, élargissement hein, euh, du champ euh, de la littérature. Euh, C'est un mouvement. Euh, particulièrement présent et particulièrement visible, et je crois que c'est pour ça que ce festival s'appelle Effraction et se concentre sur les littératures du réel, comme le, le cinéma euh, s'intéresse lui aussi à travers le cinéma documentaire, euh, euh, en présent dans cette littérature du tournant euh, du euh, euh, XXIe siècle, époque où la littérature est revenue euh, au récit, où elle refuse de se contenter de décrire un plafond. Euh, euh, comme le faisait Robrié, euh, d'un moment où euh, la littérature euh, euh, n'a plus euh, besoin de, de euh, quêter un idéal de beauté absolue, mais d'abord doit prendre en charge doit prendre en charge les problèmes euh, auxquels euh, les, les êtres humains sont aujourd'hui euh, et concrètement euh, euh, confrontés. Euh, euh, clairement, euh, les écritures aujourd'hui euh, ne, ne ne cachent rien de la sexualité, euh, du quotidien, de l'expérience du deuil de l'expérience de la mort, de l'expérience des corps euh, dégradés, des corps euh, mutilés, euh, des corps euh, transformés. Euh, euh, clairement, euh, le, la question de l'ordinaire, hein, cette, cette notion euh, née au XXe siècle, euh, d'abord dans la philosophie du langage ordinaire, euh, qui est ensuite devenue une attention hein, pour ce qui est euh, le proche pour ce qui n'est pas romantique, pour ce qui est vraiment la, la, la vie commune, la vie partagée, est centrale dans les écritures que nous avons couramment sur nos tables. Ça n'exclut pas que certains récits... Euh, 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 continue à vouloir échapper au monde. Et, et cette fonction euh, euh, de, de, euh, de, de voyage, d'arrachement à la réalité, euh, est un autre pan euh, des littératures contemporaines. Mais il ne leur demande pas moins que euh, cette ambition euh, de s'attacher à la variété euh, des formes de vie à partir d'une écriture modeste, parce que très consciente de la fragilité. De sa propre fragilité, de ses propres erreurs, euh, de ses propres hésitations, euh, est une, une définition forte hein, des, euh, euh, de la littérature française euh, contemporaine. Euh, je, je crois que euh, 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 clairement, euh, ces euh, réalités euh, modestes, ces réalités euh, difficiles, ces, ces drames de l'existence euh, ne sont plus euh, l'objet de grands récits qui vont euh, les mythifier, mais sont l'objet de retranscriptions dont le, euh, la ligne directrice est la justesse et l'honnêteté et l'exactitude et la densité. C'est ce que je trouve admirable euh, dans l'œuvre d'une Florence Omnas, euh, c'est ce qu'on peut trouver euh, admirable dans d'autres récits, l'honnêteté d'une Annie Ernaud, euh, euh, la, euh, la sincérité, euh, euh, d'autres textes euh, qui là encore refusent la fiction. On pense à toutes ces euh, littératures qui ont raconté euh, des expériences traumatiques euh, chez euh, des écrivaines euh, euh, qui ont cherché à dire ce qu'avait pu être euh, le viol, euh, l'inceste, euh, l'abus. Euh, 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 et euh, à chaque fois, euh, un euh, impératif euh, de euh, dévoilement euh, va avec la recherche d'une écriture euh, euh, qui, qui va euh, essayer de respecter de respecter euh, euh, les, les, euh, les incertitudes, euh, les, les doutes, les perplexités morales, euh, euh, les, les inquiétudes de celui qui raconte, plutôt qu'imposer un sens prédéterminé, plutôt qu'imposer euh, un système de valeurs d'où des récits. Euh, euh, tout à fait bouleversants par euh, leur hésitation euh, elle-même. Euh, clairement, euh, euh, ces écritures euh, du sujet, du sujet euh, fragilisé, du, du sujet euh, altéré, participent euh, de euh, ce que la littérature française contemporaine a euh, de plus intéressant. Hein. Et, et je ne crois pas qu'il faille le, les dévaluer au nom d'une mort de la littérature. Ce n'est pas parce que euh, la littérature s'intéresse au réel qu'elle renonce à être littérature. Il faut euh, un, un investissement extraordinaire, euh, un travail d'écriture tout à fait euh, considérable, un art tout à fait considérable pour produire une enquête documentaire aussi juste, aussi fine euh, que celle euh, que pour produire par exemple un, un Emmanuel euh, Carrère. Euh, clairement, euh, euh, ces, ces euh, formes euh, d'attention hein, me, me, me semble euh, être euh, une, une, un, un, une nouvelle direction, un nouveau réalisme, pourrait-on dire, euh, dans lequel euh, euh, la richesse de nos sensibilités, notre volonté de se dire au monde, euh, euh, notre, la volonté politique des écrivains euh, de ne pas euh, laisser sous silence, de rendre la visibilité euh, euh, s'exprime. Alors, un autre, un autre phénomène accompagne euh, cette euh, attention euh, réaliste euh, aux euh, fragilités humaines et euh, sociales, euh, c'est peut-être le fait que euh, ces écritures sont aussi euh, réalistes parce qu'elles font entendre une pluralité. Une pluralité d'expériences, une pluralité euh, de euh, rapports au monde, une pluralité euh, de formes de vie. Souvent, ces écritures-là, d'ailleurs, comme euh, le, le, le propose euh, un, un Jean Hatzfeld, sont des écritures polyphoniques. Hein, polyphoniques, c'est-à-dire qu'elles font euh, entendre des voix discordantes, des regards euh, non coïncidents sur le même événement. Et euh, plus largement, cette, euh, euh, ce caractère pluriel. Euh, euh, C'est cette manière que les écrivains ont de refuser de faire se superposer euh, euh, le réel qui doit continuer à être troublant, à faire effraction, à, à gêner. Euh, sans jamais être réconcilié, euh, s'exprime aussi dans une extension euh, de, euh, euh, des écritures au euh, monde naturel, aux voies non euh, humaines. Euh, euh, la littérature euh, est, je vous l'ai dit, saisie parce que euh, Italo Calvino nomme un désir éperdu d'épuiser la multiplicité de ce que l'on peut écrire. C'est un, un, un des textes magnifiques euh, des leçons américaines qui s'appelle Multiplicité. Euh, euh, et cette attention à la multiplicité du monde euh, vivant conduit à un nouveau matérialisme, euh, matérialisme incandescent, disait le, le regretté euh, Michel Serre, propre à une littérature des choses, héritière de Pérec, mais qui fait aussi entendre euh, les corps et qui fait aussi entendre les corps non humains, euh, qui fait vibrer euh, euh, aussi. Euh, euh, les, les animaux, le, le, le monde euh, naturel euh, qui fait entrer à la fois euh, les documents, hein, les data, dirait Emmanuel euh, Pirer, euh, qui fait entrer euh, l'infraordinaire, euh, mais qui fait entrer euh, d'autres formes euh, de vie. Euh, le. le, le le réel n'a plus une consistance globale que l'humain pourrait organiser euh, uniquement. Euh, pour, pour donner à, à une formule d'Emmanuel Pirer, le, le réel musifié n'est plus disponible. Le réel est un pauvre fromage sous cloche. Hein Et si le, musée, si le monde est le musée de l'homme, quel rôle avons-nous dans ce musée Le pire, c'est dans, que dans ce musée, que Nous soyons relégués au plus bas niveau de l'échelon à la fonction de visiteurs. Nous ne sommes plus que des visiteurs dans un monde étendu où on entend autant les arbres que les minéraux, où on entend des voix contradictoires, des voix, des voix vaporisées, des voix éclatées, dans lequel il est difficile de réorganiser, de donner un sens global. Cette effraction du réel, c'est cette manière, comme le dit Pascal Quignard, de raconter sans qu'il y ait vraiment de sujet, sans qu'il y ait vraiment une histoire, mais plutôt avec ce qu'il appelle un flottement, une ligne de crête qui sans cesse oscille et s'inue. Le réel n'a pas à être repris dans son désordre, Pascal Kignard, il n'a pas à être apprivoisé. Il n'a pas à être apprivoisé. Ce réel non apprivoisable, ce réel qui continue à faire effraction, hein, ce réel de l'esthétique hyper réaliste de Pascal Quignard, où on, pense de, on passe de réalités euh, euh, sexuelles très concrètes à des réalités métaphysiques, fait entendre hein, de manière pluraliste. L'ensemble euh, des euh, objets euh, du monde. Cette manière de nous dire euh, la prose du monde, hein, sans, sans la poésie du monde, au fond, euh, de, 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 de renoncer à poétiser, à, à transformer, à apprivoiser le réel, euh, comme euh, euh, disait Pascal Quignard, est une. Tendance très, très vaste. Hein. On peut la retrouver dans la littérature anglo-saxonne, chez, chez Davis Foster Wallace, chez Dave Eggers, chez Jonathan Franzen, chez Zadie Smith. Hein, ça a même été théorisé aux États-Unis euh, à travers le manifeste Reality Hunger de David Schill, la, la fin des réalités, euh, un, un essai euh, qui est fait d'un collage. Mais c'est aussi une grande, une grande tendance française qui qui retrouve hein, ce fil réaliste, ce fil naturaliste. Euh, du 19e siècle, euh, je l'ai évoqué, euh, dans lequel l'écrivain est un enquêteur, un chiffonnier, euh, un, un journaliste, un, un arpenteur, un ethnologue, un, un anthropologue, ou encore pour prendre une formule d'un des théoriciens de ce réalisme-là, Mathieu Larnaudy, un sémionaute, quelqu'un qui va essayer de euh, euh, réunir euh, des signes. C'est donc un réel étendu, un réel étendu. Euh, 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 à la question euh, euh, des, des euh, euh, du monde vivant dans sa globalité, euh, à un matérialisme euh, qui va être aussi euh, une manière de, de prendre euh, de dire quelque chose par la littérature de, de la condition féminine, de toutes les formes de conditions qui avaient été laissées sous cloche, pour reprendre la formule d'Emmanuel Pirer, par la, la littérature, c'est ce que les Américains appellent le new materialist féminisme, le, le nouveau féminisme matérialisme, c'est cette présence souvent du corps, c'est en tout cas la présence d'un monde dans lequel on ne cherche plus à mettre l'esprit au-dessus du corps, on on, on ne cherche pas... À désincarner, mais au contraire à incarner euh, les réalités euh, spirituelles, euh, euh, les réalités concrètes. Et c'est souvent euh, euh, une autre forme de réalisme là, qui, qui naît dans ces incarnations-là, qui n'est pas euh, les formes de non-fiction, d'enquête non-fictionnelle, mais qui sont les formes de performance. Hein. On, on va dire euh, l'effraction euh, du réel en le performant sur scène. Hein. C'est ce que fait euh, aux États-Unis Wendy Delorme c'est ce que fait euh, en France quelqu'un comme euh, Chloé. Euh, de l'homme. Euh, euh, clairement, euh, euh, le, 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 euh, sur la longue durée... Euh, ces écritures réalistes ont des ancêtres à la passion de Stendhal pour le code civil, euh, par exemple, dont il disait que c'était un roman euh, à lui seul. Euh, L'attrait euh, de, de Zola hein, pour euh, la, la naturalité, la maladie, la, les pathologies, euh, 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 mais euh, euh, clairement, dans le champ des théâtres françaises, ça caractérise vraiment une transformation de l'idée même. De littérature, c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer dans, dans mon dernier livre qui, qui paraît cette semaine. L'idée de littérature, euh, le, le, le discours littéraire perd son autonomie, il est déhierarchisé, il devient polyphonique, il devient hyper démocratique par sa manière de refuser les hiérarchies, l'érudit les et le banal, l'érudit qui serait au-dessus du banal, le, le processus qui serait plus moins intéressant que, que les contenus, euh, euh, l'advenu. Qui serait plus intéressant que le non-advenu. Non, au contraire, on fait entendre euh, euh, les euh, possibles, on produit une ontologie, comme on dit en philosophie, plate, dans laquelle tout ce qui advient, tout ce qui est observable, peut faire sens. Hein, euh, et de ce point de vue-là, il existe, à mon avis, des parentés entre un mouvement philosophique déterminant aujourd'hui qu'on appelle le nouveau réalisme, hein, euh, incarné par Quentin Meillassoux, Marcus Gabriel ou Tristan Garcia, l'écrivain Tristan Garcia, et euh, ses écritures du réel et d'ailleurs tristan garcia a entrepris une sorte de vasque fresque dans lequel il veut entendre une histoire du monde à travers tous ceux qui en ont été euh, euh, les victimes et y compris euh, toutes les victimes appartenant au, au monde naturel que le spécisme humain euh, a euh, écrasé. il s'agit donc pour reprendre une formule de ces nouveaux réalistes de marcus gabriel de reconnaître la multiplicité des perspectives réellement existantes hein, plutôt que euh, d'essayer euh, 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 D'assigner euh, euh, un sens euh, déterminé, de construire un monde euh, organisé. Il s'agit de, de faire entendre ces dissonances, de faire entendre euh, euh, ces, ces, euh, euh, ces désaccords euh, qui. Il s'agit de faire entendre euh, ces, 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 euh, ces drames invisibilisés, comme, comme le comme, le, comme, le, comme cherche à, à le montrer Florence Amanat, ces, ces ces formes de vie dans des immeubles abandonnés où on cherche deux, deux euros pour aller se trouver un peu de méthadone, euh, euh, où euh, on, se, on, se, on se retrouve, à, et, et Florence Omnas observe ça de de, 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 de très très près, à, à, à traîner en, dans des fermes abandonnées, à, à, à inventer euh, euh, des, des, des vies mythifiées, faute d'avoir le, le moindre travail. C'est ces errances mentales que, que Florence Omnas euh, essaie de, de retranscrire et, et qu'elle parvient à dire et, et qui sont inaccessibles à, à, à tous ceux qui, qui qui ont un travail, qui ont, qui ont la dignité euh, d'avoir un, un salaire. Et, et, et cette attention euh, euh, à, à un monde qu'elle ne va pas chercher euh, à expliquer euh, par euh, un discours économique, par euh, euh, un grand discours sur la misère, sur la pauvreté, elle refuse même ces catégories-là. Euh, euh, cette attention aussi aux espaces géographiques, aux lacs, aux, euh, je, je, on, on le voit dans cette première page, à, à la présence de, de la nature dans, 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 euh, dans ce monde euh, ravagé euh, par euh, la crise, euh, je crois, est vraiment très, très caractéristique de cette euh, littérature contemporaine, euh, qui parfois d'ailleurs s'aventure à des choses tout à fait euh, extraordinaires. Elle cherche à euh, sortir euh, de la logique anthropomorphisme, anthropomorphiste en essayant par exemple de faire entendre euh, des, euh, des animaux, hein, de faire entendre euh, euh, des, 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 des corbeaux, euh, des cochons, euh, ou comme dans Anima de, 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 de Wajim Wawad. Euh, euh, toute une série d'animaux rencontrés en route qui chacun disent leur part de réalité aussi. Hein. Euh, euh, C'est ce qu'on a pu appeler la, la xénofiction. Hein. En tout cas, ce sont des formes d'excentrement, de décentrement, de recentrement ailleurs, euh, euh, de déplacement euh, euh, qui ont toujours comme point commun euh, d'être euh, des, euh, des gestes de, de, de modestie hein, euh, dans lesquels on doit absolument euh, faire entendre. Euh, euh, les objets, euh, les, euh, les, les réalités naturelles, euh, toutes les formes euh, de réalité, ou parfois même les réalités numériques, hein, chez Manuel Pirer, euh, qui, qui euh, n'auraient pas euh, euh, la, 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 la dignité euh, de faire euh, l'objet d'un grand récit à, à l'ancienne. Euh, C'est le cosmos des choses qu'on entend dans cette rhapsodie euh, des, euh, des signifiants, euh, dans lequel l'activité Humaine est elle-même qu'une euh, sous, euh, qu sous-espèce d'un monde euh, naturel qui, quoique euh, abîmé, euh, continue de devoir être entendu et continue d'avoir euh, sa logique. Euh, et, et les aventures de, 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 de ce réalisme aujourd'hui euh, vont même euh, toucher à des objets artificiels auxquels on va essayer de, de comprendre les formes de vie maintenant là. La, la, la rentrée littéraire s'est intéressée aux intelligences artificielles, aux, en faisant parler des machines, comme si euh, on devait euh, absolument se, se, se décentrer de euh, cet humain, euh, de ce point de vue euh, humain euh, construit dans son universalité, pour faire attention euh, euh, à des formes d'existence de, de, euh, euh, dans lesquelles... Euh, euh, la, la, euh, le sens ne vient pas forcément de l'homme. Hein. On, 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 on a euh, une, une, une manière de, de euh, s'intéresser, je crois, à, à la nature, euh, au monde euh, des choses. Euh, euh, tout à fait euh, original et qui n'a jamais connu, je crois, dans l'histoire littéraire euh, d'équivalent. Je n'ai jamais lu euh, de texte sur les choses, je n'ai jamais lu euh, euh, la manière dont Maïs de Kérangal parle d'une baleine en rêvant un monde sans coupure. Je n'ai jamais lu euh, 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 des textes où on fait entendre euh, euh, l'animalité euh, de l'homme. Je n'ai jamais lu des textes euh, sur euh, la maladie, le cancer, comme ceux de Patrice au Très-Haut. Euh, je je n'ai jamais lu euh, de récits de la misère sociale, comme ceux euh, de François Bon ou Florence Omnage. Je n'ai jamais lu... Euh, de euh, dévoilement euh, des, des, euh, des troubles du sujet euh, aussi euh, euh, bouleversants que, que ceux euh, d'Emmanuel euh, Carrère. Euh, je n'ai jamais vu des formes de dévoilement de paroles insupportables euh, comme ceux que produit euh, Michel Walbeck en, 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 en mettant en scène. L'inaudible de, de, de conscience misérable. C'est ce multiréalisme, et là j'emprunte une formule à, à Bruno Latour, à l'heure où le numérique fait justement entendre. Toutes les, toutes les parties du monde en même temps, pourrait-on dire, où, où nos surfaces, ou les, les surfaces de nos tablettes, hein, comme celle-ci, recueillent, hein, recueillent aussi bien les bruits de Mars d'un robot euh, que euh, les souffrances d'une falle qui viennent témoigner. Euh, ce, ce réel brouillé, ce réel multiréaliste, ce réel, euh, multi ce réel euh, euh, pluralisé euh, par l'attention à la nature, cette extension. Hein, du, du champ mimétique en dehors euh, de la sphère euh, des actions euh, humaines et des intérêts humains, euh, ou en tout cas en prenant en charge toutes les formes. D'action humaine, toutes les formes de vie, en particulier celles auxquelles il faut rendre justice parce qu'elles n'ont pas accès à la parole, parce qu'elles n'ont pas accès à l'existence sociale, parce qu'elles n'intéressent pas les historiens, me semble vraiment une tendance très tout à fait extraordinaire. De la littérature française contemporaine. Et, 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 et clairement, je crois que c'est là qu'un festival comme Effraction fait sens, pour, pour faire entendre ce, ce, ce multiréalisme, hein, ce, ces formes variées de réalisme et toutes ces formes d'effraction qui. Qui continue, hein, qui continue à, euh, frapper, à frapper le lecteur lorsqu'il ouvre une non-fiction, lorsqu'il ouvre un, un récit documentaire, lorsqu'il découvre une autre, un autre pan euh, de réalité, une autre euh, manière de faire attention à euh, la globalité de l'expérience humaine et par-delà l'humain de l'expérience au monde. Voilà donc. Quelques mots hein, qui, qui sont autant euh, un hommage à la théâtre française qu'au qu euh, qu sens que, que pour un, un, un commentateur comme je le suis euh, euh, du contemporain, au sens que peut avoir ce festival Effraction. Je vous remercie.